Name Games. Warhammer Battle, c'est un champ de bataille, généralement deux armées et une grosse baston. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour jouer la base de la base de la base. En exemple, on va prendre cette micro-bataille entre les nains et les elfes noirs. Le premier truc à savoir, c'est qu'il y a plein d'unités à Warhammer Battle, infanterie, cavalerie, monstres, trucs volants, etc. Mais celle que l'on voit le plus, c'est l'infanterie, exemple les guerriers nains ou les guerriers elfes noirs. Puis il y a les personnages, qui sont en gros les chefs, chez les nains le Tan, le maître ingénieur, le maître des runes, chez les elfes noirs la sorcière, le noble ou l'assassin. Chaque bonhomme a des statistiques qui le rendent plus ou moins fort. La capacité de combat, la capacité de tir, la force, l'endurance, les points de vie, l'initiative, les attaques et le commandement. Chaque figurine a également un équipement, ce qui lui apporte des bonus ici et là. On va voir tout ça en détail dans le feu de l'action. Allez, pour le tuto, on va se faire deux micro-armées. Quelques guerriers elfes noirs, on va les renforcer un peu en leur mettant des boucliers, donc 9 points par figurine, plus 1 pour le bouclier, 10 x 16, 160. On va prendre avec ça un petit chef, un noble, 70 points. On va le pimper un peu, une hallebarde et une armure lourde. 238 points au total. Voyons ce que l'on va prendre en face. On va commencer avec des guerriers nains, avec boucliers, x10. Je ne vais pas prendre de grand chef dans cette armée, ça me permettra de prendre plus de petits soldats, mais je vais quand même prendre un vétéran dans cette unité, ce sera lui le leader de l'armée, plus 10 points. Côté stats, c'est un guerrier, mais avec une attaque en plus. Ça fait 100 points, ça me permet de prendre 14 x 10, 10 arquebusiers, pour un total de 240 points face à 238, on n'est pas à 2 points près. Aux confins du Golfe Noir, un petit équipage pose pied à terre avec l'ambition de piller, ravager la campagne avoisinante. Mais leur excursion est rapidement repérée par les nains voisins et une troupe de guerriers ne tarde pas à quitter Barakvar pour venir à leur rencontre. Il y a plein de scénarios différents à Warhammer, mais là on va partir sur la classique bataille rangée. Les deux joueurs lancent un dé pour choisir le bord de table, un autre pour choisir qui se déploie en premier. Les unités sont ensuite placées dans une zone à 12 pas de son propre côté. Les personnages sont placés à la fin de la phase de déploiement et peuvent directement intégrer un régiment, comme le fait le noble ici. Les elfes noirs ont terminé leur déploiement en premier, ils ont donc plus 1 pour savoir qui commence. Un tour se divise en 3 phases, mouvement, tir et corps à corps. La phase de mouvement, on commence par déclarer les unités qui souhaitent charger l'ennemi. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien puisque les nains sont bien trop loin. Alors les elfes vont se contenter d'avancer tout droit. Ils ont 5 pas de mouvement. Et pour aller plus vite, comme c'est la race campagne devant, pas d'obstacle, on peut doubler la distance en faisant une marche forcée. Ça fait donc 10 pas au total. La phase de tir, eh bien il n'y en a pas. Pas de phase de combat non plus car personne n'est au corps à corps. C'est parti donc pour le tour 1 des nains. Pas de phase de mouvement pour les nains qui vont tranquillement attendre et leur ruiner leur petite derrière de freluquer à coups de ferraille. Feu volonté ! Lors de la phase de tir, on commence par désigner une cible. Les arquebusiers vont tirer sur les lanciers, évidemment. Il faut ensuite vérifier la portée. Une arquebuse, c'est 24 pas, donc c'est large. Mais les elfes sont à plus de la moitié de la portée de l'arme, ce qui a une importance pour la suite. Sur mes 10 nains, seul le premier rang peut tirer. Pour que le deuxième tire, il doit être sur une position surélevée comme une colline. Ça n'est pas le cas ici. Je prends donc 5 dés pour les 5 arquebusiers du premier rang. Première étape, il faut toucher la cible. Pour savoir combien il faut faire au dé, on prend la CT, la capacité de tir. Les arquebusiers ont une CT de 3. Ils réussissent donc leur touche sur 4 ou plus. Une CT de 4, ce serait 3+. À l'inverse, une CT de 2, ça serait 5+. Cependant, les cibles sont à plus de la moitié de la portée de l'arme, donc considérées à longue portée. Cela fait moins 1 au jet dé, mais les arquebuses naines, ça envoie du pâté. Leur règle conception supérieure leur confère un bonus de plus 1 pour toucher. On reste donc sur du 4+. 3 touches, c'est pas mal. Donc après la première étape, toucher. La deuxième étape, c'est blesser. On regarde ce tableau. Force 4 de l'arquebuse contre l'endurance 3 de l'elfe, 3+. Bon, pas super. Dernière étape, la sauvegarde d'armure des figurines blessées. Les elfes ont une armure légère, 6+, un bouclier, 5+.
mais ça ne va servir à rien car les armes de force 4 ou plus réduisent cette sauvegarde. Force 4 ça fait moins 1, force 5 moins 2, etc. Donc ça fait moins 1 et encore moins 1 car l'arquebuse est une arme perforante. L'elfe est donc directement retiré du jeu. Pas de phase de combat, on passe au tour 2 des elfes. À Warhammer Battle, on peut charger au double de son mouvement, donc les guerriers elfes peuvent charger à 10 pas. Ça va encore être un peu juste, ce sera pour le tour prochain. L'idée pour eux, ça va être de bien estimer la distance pour éviter la charge des nains au tour suivant. Ils ont 3 de mouvement, donc charge 2 à 6, et en même temps, ils doivent être à portée pour pouvoir charger. Les guerriers sont trop loin pour charger, ils vont donc gentiment attendre la charge des elfes et simplement se repositionner en faisant ce que l'on appelle une roue. 3 petits pas, le régiment se tourne légèrement en avançant. Phase de tir, les arquebusiers vont pouvoir canarder, sans malus cette fois-ci car à mi-portée. Allez, 3 plus. Et encore 3 plus. Ça fait 2 morts. Les elfes vont enfin déclarer une charge, ils sont a priori à portée des 2 unités. Si ça n'est pas le cas, si mon estimation est mauvaise, que la charge est ratée, eh bien au lieu de charger, ils vont simplement avancer de 5 pas en avant et potentiellement donc se faire charger le tour suivant. Ils vont décider de charger les guerriers, car non seulement ils sont plus proches, mais les arquebusiers auraient l'opportunité de les canarder une fois gratuitement pendant leur charge, car une unité qui se fait charger peut, petit 1, fuir, petit 2, maintenir sa position et éventuellement tirer si elle a des armes de tir. Les elfes noirs sont à portée, pas de soucis, le régiment se déplace donc au contact des guerriers nains qui décident de maintenir leur position. Pas de phase de tir, on passe à la phase de corps à corps. Les deux régiments s'affrontent et ce sont les elfes qui vont attaquer en premier, c'est l'avantage que donne la charge, on tape systématiquement en premier. Le noble va commencer, sur son profil, il a 3 attaques, je prends donc 3 dés, ça marche un peu comme le tir, il faut toucher, blesser et ensuite il y a la sauvegarde d'armure. Pour toucher, on regarde la capacité de combat. Le noble a 6, le nain a 4, c'est donc 3 plus. Pour blesser, il a plus 1 en force grâce à sa hallebarde, force 5 donc, contre endurance 4, c'est 3 plus. Les nains ont une armure lourde, 5 plus de sauvegarde, un bouclier, 4 plus, ils ont même 3 plus, car on gagne plus 1 de sauvegarde au corps à corps lorsqu'on a un bouclier et une arme de base. Mais là aussi, comme les arquebuses, il va y avoir un malus, moins 2 à cause de la force 5 du noble. Les guerriers nains ont donc 5 plus de sauvegarde, ce qui nous fait un mort. On enlève une figurine au dernier rang du régiment. Autour des 3 guerriers elfes noirs du premier rang, pour eux c'est 4 plus pour toucher, 5 plus pour blesser, force 3, pas de malus à la sauvegarde du nain. Bon, il meurt quand même. On passe à la riposte des nains. 2 sont morts, ils sont donc 3 à pouvoir taper, dont le vétéran au milieu. Le noble a tué un de ses opposants direct, mais l'autre n'est pas mort. Il est en contact socle à socle avec le noble, et en même temps avec un autre guerrier. Il peut donc choisir de viser l'un ou l'autre. Il va tenter sa chance sur le chef. 4 plus, ça passe. 4 plus encore, ça passe aussi. Le noble a une armure lourde et donc 5 plus de sauvegarde. C'est raté. Il perd donc un point de vie, il ne lui en reste plus qu'un. Le vétéran, 2 attaques et l'autre guerrier vont à leur tour attaquer. 4 plus, 4 plus. Sauvegarde 5 plus pour l'armure légère et le bouclier. Et une perte de plus. Tout le monde a tapé. On passe maintenant à la résolution du combat pour savoir qui a gagné. Il suffit de compter les points. Le plus facile est de compter avec des dés. Un dé égale 1 point. Les elfes ont tué 2 nains. Les nains ont tué un elfe et enlevé 1 point de vie au noble. On ajoute ensuite le nombre de rangs arrière qui avait au moins 4 figurines au début du combat. 2 côté elfe, 1 côté nain, et puis il y a ensuite la supériorité numérique, plus 1 pour les elfes. Les elfes gagnent le combat de 2 points, les nains vont désormais devoir faire un test de morale. S'ils le réussissent, ils restent combattre, s'ils le ratent, ils s'enfuient. Pour le test, on prend le commandement de l'unité, 9, et on soustrait le résultat du combat. 9 moins 2, avec 2 dés donc les nains vont devoir faire 7 ou moins pour rester au contact. Et c'est foiré, il fuit de 2d6 avec moins 1 car ce sont des nains avec des petites pattes. Ça fait donc 7. Les elfes doivent faire autant ou mieux pour les rattraper. 7 aussi, c'est tout juste mais ils les poursuivent et les massacrent. Les nains sont tous retirés du jeu et les elfes avancent de 7 tout droit.
Et voilà, c'est la fin du tour 3 des elfes noirs, au cours duquel ils ont pris l'avantage dans la partie. Les arquebusiers vont-ils faire le poids ? Pour leur tour 3, les arquebusiers vont simplement se reformer en pivotant sur eux-mêmes et ainsi pouvoir tirer sur leurs ennemis, mais seulement au prochain tour puisque la reformation consomme le mouvement de l'unité et on ne peut pas tirer avec une arquebuse lorsque l'on a bougé. Même principe, les elfes noirs vont utiliser tous leurs points de mouvement pour se reformer et faire face aux nains. Les arquebusiers peuvent désormais tirer, ils sont à courte portée, c'est donc 3+ et 3+, 2 elfes en moins. Les elfes noirs sont à portée de charge, pas de souci. Les arquebusiers maintiennent leur position et peuvent donc tirer à nouveau. Ils ont un malus de moins 1 pour toucher car ils visent un ennemi qui les charge. 4+ et 3+, rien du tout. Le corps à corps, et bien rebelote. Le noble d'abord, 3+, 3+, les arquebusiers n'ont qu'une armure légère qui ne sert à rien donc face à la force 5. Les guerriers elfes noirs ne font rien du tout. 4 nains peuvent riposter, lui va taper sur le chef, 4+. 4+, ça passe! S'il fait 4 ou moins, le joueur elfe noir perd son personnage. C'est peut-être le tournant de la partie, les arquebusiers vont-ils envoyer le noble elfe noir au tapis? Et non, c'est sauvé. Les 3 autres nains tapent eux sur les lanciers. Une blessure. C'est sauvé également. Les elfes noirs ont tué un nain, ont 2 rangs. Les nains ont 1 rang. Les elfes ont également la supériorité numérique. Commandement 9-3, il faut faire 6 ou moins. Ça tient, les arquebusiers restent au contact. Rien n'est perdu, le combat se poursuit au prochain tour. Pas de phase de mouvement, pas de phase de tir, on passe directement au corps à corps. Comme il n'y a pas de charge, c'est l'initiative qui décide qui frappe en premier. Ce sera le noble, initiative 7, les guerriers elfes, initiative 5, puis seulement ensuite les nains, initiative 2. Le noble tue un nain. Au tour maintenant des guerriers elfes, et là ça ne rigole plus, comme ils n'ont pas chargé ce tour-ci, grâce aux lances, le deuxième rang peut également frapper, ce qui fait donc 7 attaques. 4+. 5+, ok, rien du tout. Lui est mort, mais 4 nains peuvent riposter, dont un sur le noble elfe noir. Une nouvelle chance de décapiter l'armée ennemie? Nope. Les 3 autres nains attaquent et tuent un elfe noir. Les elfes avaient 2 rangs au début du combat, ont tué un nain et ont la supériorité numérique. Les nains avaient 1 rang et ont tué un elfe. Test de morale à 7 ou moins, c'est réussi. La bataille rangée se joue en 6 tours, c'est donc le dernier tour, avec directement la phase de corps à corps. Le noble écrase 2 nains avec sa hallebarde. Les lanciers sont chauds. 3 sauvegardes à 6+, 3 morts. Les nains ne peuvent même pas riposter car tout le premier rang a été tué. Ils perdent le combat de 7, ils doivent faire double 1 pour ne pas fuir. C'est raté, il s'enfuit, on peut faire le jet de fuite hein, pour le plaisir, voilà, ils ne sortent pas de la table, mais se font rattraper et manger. Et ce sont les elfes noirs qui remportent donc cette micro-bataille d'initiation. Après avoir écrasé les nains, le groupe de corsaires pillera pendant plusieurs jours la région, avant de rassembler butin et esclaves et repartir vers Nagaroth. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'ai essayé de vulgariser, simplifier au maximum, même si ça n'a pas été évident, j'avoue. Si ce genre de vidéo tuto vous plaît, si vous pensez qu'elle est utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me suggérer d'autres vidéos qui vous feraient plaisir dans le monde de Warhammer Fantasy Battle. À la prochaine !